Salut à tous, L7C Fox. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de L7C Fox sur les routes d'Europe. Alors, l'épisode 77, alors encore avec beaucoup de choses à vous dire. Et comme d'habitude, on est toujours sur le sud de l'Europe, alors avec un trajet un peu spécifique et en plus un camion spécifique. Alors, suite à mes déboires, à tout ce qui m'est à mes aventures qui est arrivé lors de l'épisode 75-76 avec les accidents qu'il y a eu, donc certains voulaient le savoir, mais oui, je me suis fait un petit peu gronder par la ETS et du coup on m'a collé un trafic, un Renault Master, voilà, que vous avez à l'écran. Alors, il est bien, il est très très bien, le mode est bien en général, sauf qu'il est bruyant. Il a un bruit un petit peu particulier, vous allez le voir. D'ailleurs, je vous demanderai dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bruit un petit peu particulier, si ça gêne pas trop. Voilà, moi je l'entends pas forcément, mais vous verrez que quand je vais rouler, il a un bruit un peu agaçant. Peut-être pour moi, peut-être pas pour vous, j'en sais rien. À voir, voilà. Donc toujours sur la promo en version 1.98, Rusmap 1.5.2, la Poland Red Building version 1.98, et pour le reste on va en parler. Je vais vous détailler les modes que j'ai enlevés. Alors, aussi dû au plantage que j'ai eu dans l'épisode 74 75 76, où je pensais que c'était Action Mirlis qui déconnait, et non, j'ai trouvé en fin de compte c'est bien un mode qui me faisait planter. Et je ne pensais pas, parce qu'il a toujours bien fonctionné. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai déjà ajouté et cette combinaison de modes fait que celui-ci ne marche plus? Je vais vous en parler, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un DLC officiel qui est sorti. Il y a le DLC d'Halloween Pendulum Pack qui est sorti, mais que je n'ai pas, puisqu'avec ce fourgon je ne peux pas utiliser le DLC DLC cabine accessories, je ne peux pas. Il y aura pas de dédit, il y en avait une, je ne l'ai pas noté, je la tirerai pour l'épisode 78. Et voilà, et on abordera un petit sujet un petit peu délicat où j'ai eu de nombreux messages en MP. Je vous en parlerai un petit peu plus enfin un moment dans la vidéo. Allez, on va partir, on va démarrer le camion. Voilà, bruit de fourgon d'une estafette bien classique. Ce qu'on va faire aussi, par contre, on va regarder tout de suite la carte. Et c'est là où je voulais en venir. Alors, normalement, ce trajet où on s'était arrêté avec notre fameux Iveco vers ici, où on s'était planté, rappelez-vous, où on avait eu un sacré carton ici. Donc, on part de là. Non plus avec l'Iveco parce qu'il est complètement ébouillé. Et le trajet que je devais faire, c'est tout simplement qu'on devait se rendre à Maribor. Je ne sais pas si ça se prononce réellement comme ça ici. Mais le trajet était, voilà, alors attendez, je vais essayer de caler. Il était par ici, si je ne m'abuse, et ici. Et comme on a dit qu'on faisait vraiment le trajet carrément au sud de l'Europe, eh bien, j'ai décidé de modifier le trajet avec justement les points de navigation que j'ai mis. J'en ai mis 10 exactement, et qui va nous permettre de définir un autre trajet tout en allant au but. Et ça, c'est vraiment excellent, cette trouvaille, parce qu'on peut modifier le trajet. Et il y a des fois, moi, je fais plusieurs jours, nuit, pour arriver à trouver le bon trajet, la bonne cargaison. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à prendre une cargaison à peu près aléatoire. Si le trajet est à peu près là où je veux aller, le point, eh bien j'ai juste à définir entre le point de départ et le point d'arrivée un autre trajet avec les points de navigation. Et c'est vraiment excellentissime. Même si le point 5, je l'avais mis là, je voulais mettre le point 6 à Budapest et redescendre ici, on aurait pu. Mais là, j'ai fait tout le petit trajet ici. Voilà. Allez, on va attaquer tout de suite. On ne perd pas de temps. On y va. Allez, on se met à l'intérieur. Intérieur classique d'un fourgon Master Renault. Ou Renault Master comme vous voulez. Petit ventilo. Alors on a quoi? On a un petit coussin, le dé, vous voyez, pas d'accessoires cabine, rien de tout ça, pas de chichi. C'est vraiment du simple, hein. Ils m'ont puni, hein. Ouais, ils m'ont puni. Alors qu'est-ce qu'on transporte? On transporte tout simplement un autre Renault Master que vous avez à l'arrière. Voilà, là on le voit pas, bien joué. On le voit pas là non plus. Voilà, là on va le voir.
un petit Renault Master, un autre fourgon. Bon, voilà, rien de bien méchant. C'est juste que avant de partir, on va quand même afficher le petit rétro, le GPS comme il se doit. Hop, voilà, parce que j'ai jamais assez de GPS. Donc, on est redescendu à 2. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Voilà, allez, hop. Alors, je n'ai pas fait comme m'avaient dit certains au niveau de la caméra avec comment dire, avec par rapport au moment où je tourne mon volant ou les clignotants, je ne sais plus. Il faudra que je regarde ça, je n'ai pas eu le temps d'y regarder parce que cette semaine a été vraiment vraiment chargée. Je ne pensais même pas mettre de vidéo de L7C Fox sur les routes d'Europe. Et oui, je ne pensais pas en mettre tout simplement pour la bonne raison, c'est que je suis en train de préparer la semaine Star Wars Battlefront qui aura lieu la semaine en suivant cet épisode. Très difficile pour moi de tout faire. Heureusement que à ce moment-là, je n'avais fait que des épisodes de 15 à 20 minutes maxi. Sinon, ça aurait été quasi impossible de faire tout ça. C'est-à-dire de préparer ces vidéos. Il y a 4 vidéos à préparer pour la semaine qui va suivre cet épisode 77. Alors, ça va commencer le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. On va voir. Je mettrai sur Facebook, comme d'habitude, sur ma page L7C Fox Multigaming, je mettrai tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que je mettrai, comment dire, à quel moment je... Alors attendez, je vais peut-être passer... Non, pas en quatrième. On va redescendre en troisième. Peut-être pas en deuxième. Voilà. On va rester en quatrième. Voilà, on va rester comme ça. Voilà, en quatrième. Donc, c'est difficile pour moi de tout préparer au bon moment et tout. Parce que ça demande pas mal de temps dans le montage et tout, dans la préparation. En sachant que cette semaine, on a eu droit à l'épisode 16 de Farming Simulator 2015 avec la ferme des abonnés, l'épisode 16. Là, vous avez l'épisode 77. Et la semaine prochaine, dédié à la semaine Star Wars, j'essaierai de mettre un épisode, l'épisode 17 de FS15 et l'épisode 78 de ETS2, chose qui ne sera pas facile. Je voulais passer à côté, mais le bus est arrivé assez rapidement. Allez, on va tourner. Je me suis pas mis du tout sur la bonne file. Je vais essayer de le contrer, le bus, voilà, en plus il est... Et bon, on a pu le flinter. Je l'ai flinté un petit peu à l'arrache, hein, mais bon. Est-ce qu'il est derrière? C'est ça que je voulais voir. Faire une petite vue extérieure. Bon, c'est bon, ils sont tous assez loin. Bon, voilà, petit camion bien sympa, un fourgon Renault Master. Voilà, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Ça fait bizarre même de conduire ce genre de camion. On n'a pas le ronronnement d'un gros camion. Ça fait un petit peu bizarre quand même. Hein. J'avoue que c'est un petit peu particulier. Mais bon, donc pour en revenir au mode, dans cet épisode 77, comme je vous l'ai dit, on est toujours avec la Pro Mode, la Russe Map, le Poland Red Building. Pas plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la mise à jour du All Traffic. Alors attendez, j'ai fait la mise à jour du All Traffic Pack de JZCat. Oulala, ça y est, ça commence. Il faut que j'arrive à me caler comme il faut. Regardez, le D va dans tous les sens. De JZCat, ce petit pack en version qui est en version 3.1, je l'ai mis en version 3.2. On va essayer de conduire comme il faut parce que putain, mais ça freine ça par contre. On va essayer de conduire comme il faut, d'être exemplaire. Voilà, oula, j'ai pris un tout petit peu le trottoir. Hop là. Voilà, donc le trailer NK, pas le trailer NK Cargo Pack, le All Traffic Pack de JZCat qui est en version 3.2, qui marche très très bien. Hop, on passe en quatrième. Alors là, il y a 6 rapports. Hein. Je suis en cinquième. Et là, si je veux, je peux passer la sixième. Comme ça, on va rouler peinard. On a quand même pas mal de kilomètres à faire. Il y a presque 1000 kilomètres à faire.
On va faire ça en deux étapes, hein. On va pas faire ça qu'en une seule étape. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai enlevé? Je ne vais pas vous prendre forcément dans l'ordre, mais qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai retiré le Real Company version 2.4 que j'avais mis récemment à jour dans l'épisode 76. Je l'ai tout simplement retiré parce que par rapport à certains abonnés qui m'ont, à pas mal d'abonnés qui m'ont dit attention L7C Fox, il y a eu pas mal de problèmes avec ce mode-là au niveau des plantages. Et comme j'étais dans mes moments de petit plantage en pleine vidéo, je me suis dit je vais l'enlever par précaution et je ne l'ai pas remis, même si j'ai trouvé vraiment le mode qui m'a causé tous ces problèmes lors des trois derniers épisodes. Donc aujourd'hui je suis tranquille là-dessus, au moins je sais que tout fonctionne très bien dû au fameux mode que je vais vous dire juste après que j'ai retiré. Donc j'ai quand même retiré le Real Company version 2.4 parce que par précaution voilà. J'ai laissé le New World qui rend les routes plus réalistes visuellement. J'ai laissé bien entendu le Early and Late Autumn Weather Mode en version 4.1 qui ajoute la période d'automne. Alors là on est dans le début, dans un moment, peut-être dans l'épisode 79, je mettrai le Late qui annonce la fin de l'automne. Alors normalement ça sera un autre visuel, ça sera pas le même visuel, c'est le but, hein, c'est le but de ça. Ensuite, j'ai toujours le Weather Improvement en version 2.1 de Grim qui ajoute, qui modifie l'aspect météo, la luminosité du jeu en lui-même, en fin de compte, qui rend un peu plus la météo réelle. Voilà, tout simplement, l'aspect des nuages, voilà, de tout, et qui rend, pas la végétation, hein, mais qui rend un peu tout ça vraiment beaucoup plus joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le All Track Wheel Mod. Wheels Mod. C'est en fin de compte qui ajoute. On peut peindre le centre des jantes. On peut mettre des jantes chromées. On peut ajouter plusieurs choses. Ça donne un aspect un peu plus réaliste au niveau des jantes. Parce qu'on peut faire un mix de jantes. Une proposition de jantes qui est donnée pour tous les véhicules. Alors je vous ai dit que c'était le All. Non, je me suis trompé. En fin de compte, c'est le Wheel Pack by 50K. C'est plus le All Truck Wheels Mod. Non, ce n'est plus celui-là. C'est tout simplement le Wheels Pack by 50K. Voilà, tout simplement. Allez, on prend là. J'essaie de me concentrer toujours un peu plus quand on prend ce genre de sortie pour entrer sur une 4 voies. Allez hop, on va passer en sixième. Voilà, chose faite. Bon, pour le moment ça se passe bien. On a déjà fait quand même pas mal de kilomètres. On va pas rouler non plus trop vite. Je pensais que j'allais prendre des plus petites routes. Alors attendez. De toute façon, on va avoir déjà une... Ah oui, d'accord, oui. Non, mais c'est bon. Au niveau carburant, on est bon. Au niveau fatigue, on est bon. Bon, ben, écoutez, on va laisser comme ça. On continue notre bonhomme de chemin. Je vais quand même faire gaffe. Je vais laisser comme ça. Ça sera un petit peu mieux, voilà. Même si j'ai les deux vues, deux GPS. Hein. Avant, j'en avais trois, j'arrivais à me gameler. Maintenant, je suis redescendu à deux. Allez, on va peut-être pas prendre la ligne blanche. On va y aller mollo. Voilà, donc au niveau des packs. Voilà, alors je vous ai dit que je n'avais plus le All Truck Wheels Mod parce qu'en fin de compte, le nouveau mode que j'ai rajouté, c'est le Wheel Pack by 50K. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai retiré aussi pour cet épisode, enfin tout ce qui sera avec le fourgon Master, le Renault Master, j'ai enlevé le Real Interior Cams version 1.3.1 qui donnait un aspect plus réel de l'intérieur, le visuel qu'on avait à l'intérieur d'un camion. Je l'ai enlevé parce qu'il ne fonctionnait pas avec ce mode là donc je l'ai enlevé, je le remettrai certainement après, hein. Certainement après, sans problème même. Allez, je vais rester en quatrième. Ah, on arrive à Kosciusko dans les prés. Fleurisse, non c'est pas ça. N'importe quoi. Voilà, alors là on va passer même en pleine ville, j'ai l'impression. Oula, on va y aller tranquille.
De toute façon, je vais me mettre ici. Non, j'ai personne. J'aurais dû régler mon rétro. Voilà, on va attendre que le feu passe tout simplement au vert. Voilà, alors voilà pour les modes, en fin de compte, toute cette mise à jour de mode que j'ai fait. Et alors c'est un petit peu plus loin. Mais... c'est ici qu'il faut que je tourne, voilà. Le mode en fin de compte que j'ai retiré, que je vous parlais dès le début, qui m'a causé pas mal de problèmes. Et c'est vraiment dommage parce que ça m'embête beaucoup. C'est tout simplement le trailer and cargo pack de JZCat en version 3.5. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des soucis avec le mode de JZCat. Pourtant j'ai le All Traffic Pack de JZCat, mais le trailer and cargo pack, il n'y a rien à faire. Dès que j'arrive à l'entrée d'une ville, d'une grande ville, tout simplement, ça plante. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai viré tous les modes que j'avais, j'ai laissé que celui-là. Il n'y a rien à faire quand je le mets. Déjà, depuis quelques temps, j'avais un chargement qui durait, qui était très très long au niveau de, qui était très long au niveau de, du chargement de la map. Maintenant, depuis que je l'ai enlevé, enfin, depuis que j'ai trouvé, depuis que je l'ai enlevé, ça va à une vitesse, c'est incroyable. C'est comme c'était au début. Et pourtant, je ne comprends pas. Je l'ai utilisé pendant de nombreux épisodes. Et là, il ne fonctionne pas. Ou il fonctionne, mais ça me crée beaucoup trop de problèmes. Donc, j'ai décidé de le retirer. Voilà. Donc, vous ne le verrez pas en téléchargement. Je ne le mets plus. Ben, je croyais qu'il allait tourner, lui. Alors, c'est pas que mon chargement est lourd. Mais c'est que j'ai du mal à conduire parce que c'est un peu plus sec en conduite. Oula, 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 oula. Par contre, quand on loupe un rapport, là, on l'entend. Hein. Allez, on va tourner. Hop. Je raccélère. Bon, mais tout se passe bien pour le moment. Pas d'accrochage, rien de spécial. Voilà, je vais passer ma cinquième. Un peu plus loin, on passera la sixième sans aller trop vite non plus. Hein. Toujours pareil, d'éviter d'aller trop vite. Pour éviter tout ce qui s'est passé lors de l'épisode 75 et 76. Quand j'y pense, que j'ai réussi à retourner l'Iveco que j'avais à ETS. Voilà, et puis ensuite, on aura aussi, ce que je voulais vous dire, c'était qu'on était toujours sur la dernière mise à jour officielle. Alors on était sur la 1.21.1.1s et on est passé sur la 1.21.1.2s. Voilà, alors est-ce que c'est dû par rapport au mode cabine accessories? Et je voulais mettre sur la planche, c'est pour ça que j'ai rien mis parce que ce qu'il proposait c'était nul de chez nul. Je voulais mettre la petite citrouille puisque j'ai pris le DLC. Oula! J'ai pris le DLC, le... Attendez, parce que là c'est tellement sensible. Ce n'est plus lourd comme un camion. Attendez, on va pas faire l'enfant, puis je cale mal le pad. Voilà, en fin de compte, le DLC Halloween Paint Jobs Pack qui est sorti à 1,99€. Eh bien, je l'ai pris parce que je voulais vous présenter le petit bonhomme avec la citrouille. Pas spécialement les peintures. Et puis, en fin de compte, eh bien, je n'ai pas pu vous le présenter puisque je ne peux pas le mettre comme le DLC de Stefana, l'add-on qui va avec le DLC accessories, cabine accessories, que je n'ai pas pu mettre. Donc vous n'avez pas mes écussons, vous n'avez pas ma tasse. C'est dommage parce qu'on l'aurait bien vu. Ça ne passait pas, tout simplement. Donc je n'ai pas mis tout ça, puisque ça ne passait pas. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va attaquer un sujet un petit peu délicat pour moi. Ça sera là, certainement, on arrivera à la fin de cet épisode 77. Et on essaiera de trouver un endroit pour s'arrêter, pour grignoter un petit bout parce qu'il est 13h56 et je commence à avoir la dalle. Alors, un petit sujet un petit peu délicat pour moi, je voulais pas vous en parler, même pas du tout. J'ai essayé de chercher comment j'allais aborder ça. On m'a demandé, alors j'ai eu exactement 32 messages en MP. Alors, je n'ai jamais eu ça. 32 messages en MP où j'ai eu des personnes où ça s'est répété jusqu'à 2-3 fois. Pourquoi?
comme idée. Alors, ce n'est pas la faute de ces personnes-là, hein. Bien au contraire, puisque c'est des abonnés, hein. Et je les remercie de leurs idées, mais j'ai arrêté de leur répondre en MP, je parle en MP. Alors, autant sur Facebook que sur YouTube. Tout simplement pourquoi ? Parce que je me suis dit, prochaine vidéo, j'en parle, je mets les choses au clair. Alors, tout simplement, sachez que j'ai hésité à mettre l'épisode 76 en ligne, celle avec l'accident où je rentre dans le bus et à la fin je couche le camion. Tout simplement pourquoi ? Parce que cet épisode 76, là on est sur le 77, cet épisode 76 est arrivé le jour. Il a été mis en ligne. Alors le matin je travaillais, j'étais à mon boulot de 6h jusqu'à 14h et l'épisode s'est mis en ligne le matin. Mais ce qui s'est passé le matin, il y a eu l'accident que vous avez tous entendu parler en Gironde, l'accident du bus avec ces 43 personnes qui sont décédées lors de cet accident. Et j'ai complètement, j'ai vraiment hésité à le retirer. J'avais déjà, au moment où je suis arrivé chez moi, j'avais plus de 160 vues dessus. J'avais déjà des commentaires. Et j'appréhendais d'avoir des commentaires par rapport à ça. Pourquoi je n'ai pas fait une vidéo par rapport à ça. Et là j'en ai eu dernièrement. Hop, c'est bon, on peut y aller. On va doubler. Oh merde, je me suis trompé de route. Oh non, je me suis trompé de route. Merde. Je me suis trompé de route. Merde. Ouais, je me suis trompé de route. Et je peux pas sortir. Alors je vais pouvoir sortir un petit peu plus loin. Bon, c'est pas grave, on va sortir un petit peu plus loin. Vous voyez, même avec deux GPS, j'y arrive pas. Et là, j'étais parti dans ma discussion à chercher vraiment comment j'allais aborder le sujet. Donc pour reprendre, c'est pas grave, on va sortir un petit peu plus loin. Et oui, j'ai changé la vue de mon GPS. Du coup, je suis un petit peu paumé. Regardez, si on regarde. Ouais. Il faut que j'aille de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va laisser la vue comme ça. Voilà. Donc... j'ai hésité à le retirer et puis je me suis dit bon je vais le laisser, tant pis il y est, je vais le laisser, je verrai bien dans les commentaires ce que j'aurai en commentaire et tout. Alors tout ça pour vous dire quoi, c'est que ce qui m'a été difficile, on m'a demandé L7C Fox, pourras-tu s'il te plaît faire un hommage aux 43 personnes, faire un hommage au chauffeur qui est décédé avec son enfant dans le camion. Alors sachez une chose, je ne ferai rien du tout de tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez peut-être trouver brutal un petit peu ce que je vous dis là maintenant. Pourquoi quand je vous dis non, je ne le ferai pas, je ne rendrai pas hommage, parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Toutes les personnes qui m'ont demandé, j'ai commencé à leur répondre au début le pourquoi du comment et je me suis dit je vais arrêter de répondre parce qu'à chaque fois, même à la fin, je faisais un copier-coller du texte que j'écrivais. Putain, ça m'emmerde parce qu'on va loin là. Tout simplement parce que je suis de Gironde. Si vous regardez mes épisodes, si vous regardez un peu à la fois, si vous, pour ceux qui me connaissent, je suis de Gironde. Allez hop, on va dépasser. Je suis de Gironde et bien sûr que j'ai pris connaissance, bien sûr que je sais pour l'accident. J'étais à mon travail à 6h du matin. Dès que c'est arrivé, on a été prévenu par de nombreux chauffeurs au niveau de la réception à mon travail. On a été prévenu, on nous a averti et tout. Même pour vous dire, comme je suis de Gironde, j'ai même essayé d'appeler mes parents parce que je sais que mes parents font beaucoup de petits voyages organisés comme ça, s'en vont et on est, par rapport à l'endroit où est arrivé l'accident, on est à, on va dire, à même pas 10 km. 15-20 km, même pas 15 km on va dire à tout casser. Et croyez-moi, cette journée-là a été assez dure. Alors ce n'est pas pour ça que je ne fais pas d'hommage ou quoi que ce soit, mais pour continuer, voilà, dès le matin j'ai essayé d'appeler mes parents, j'arrivais pas à les avoir en plus, parce que je sais que cette semaine-là, ils faisaient un voyage organisé, ils partaient pas dans les Landes, mais ils partaient, je ne sais, me rappelle plus où, ils partaient en fin de compte le lendemain de l'accident. Et je ne savais pas exactement le jour. Et en plus, ce jour-là, je n'arrivais pas à les avoir. Donc, ça a été tout un processus qui a été assez dur pour moi. Parce que, puis avec Miss, parce qu'on essayait de les appeler, on n'arrivait pas à les avoir. On les a eus au bout d'un moment. Donc, heureusement pour nous, on les a eus au bout d'un moment. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on est rentré du boulot dans l'après-midi, ben, tout simplement, alors là, je m'en vais, je ne sais pas où. Hein.
Tout simplement, mais chez mon voisin, il y avait beaucoup de voitures. Un petit monsieur, je vais dire son prénom, je vais pas dire son nom, qui s'appelle Georges, qui est malheureusement décédé dans l'accident. Il y avait sa femme aussi. Elle fait partie des 7 personnes, enfin des 8 rescapés avec la personne. On dit 8 aujourd'hui, mais c'est avec la personne qui a cassé les vitres, qui s'est arrêtée en voiture et qui a aidé les personnes, certaines personnes du bus à sortir. Donc Annette, qui fait partie, qui est la femme de Georges, qui elle s'en est sortie. Elle a eu quelques bleus. Alors elle a pu s'en sortir d'une certaine façon, je ne l'expliquerai pas parce que je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui elle est là, elle est présente. Elle a dit qu'elle remerciait beaucoup. On l'a vu le dimanche. L'accident est arrivé le vendredi, on l'a vu le dimanche. Elle est venue nous voir. Elle a expliqué un petit peu. Elle est venue voir mes beaux-parents. Elle a expliqué comment ça s'est passé. Il faudrait que j'arrive à sortir là. Est-ce que si je passe par là, je vais pouvoir reprendre la route? Alors attendez. Ah non, je crois que je me suis planté. Putain, je me suis encore planté. Alors là, on est parti vraiment trop trop loin. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et on va regarder la carte. Alors, regardez. Alors, en fin de compte, j'ai pris le trajet que je ne devais pas prendre. Alors ça, c'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Alors, regardez, on va en profiter pour voir justement si je fais ça. Et oui, là, je suis parti pour faire le tour. Alors, on va enlever celui-là maintenant. On va enlever celui-là. Et regardez, ça se cale tout seul. Vous voyez, mon trajet s'est recalé tout seul. Le problème, c'est que là où je suis parti, c'est foutu. Je vais être obligé, en fin de compte, de sortir ici, prendre là. Donc, et prendre ici. Voilà. Alors, c'est dommage, il ne me cale pas. On va enlever celui-là. Voilà. Je vais continuer et sortir au point 1. Et normalement, après, ça va se caler pour repartir ici. Par contre, je ne comprends pas pourquoi celui-là reste toujours. Alors, attendez. Ce qu'on peut faire, on va en mettre un ici. Voilà. Il fallait que j'en rajoute un autre ici. Voilà. Là, regardez, mon GPS s'est bien recalé. Alors, en fin de compte, j'étais parti pour faire ça. Et je me suis retrouvé à faire le trajet que je ne devais pas faire. Bon, c'est pas bien grave. Même on aurait pu raccourcir même un petit peu. Parce que là, on va redescendre là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça, redescendre là et reprendre la bonne route. Ou j'aurais pu même faire ça. Mais j'ai envie de passer au sud. On a dit qu'on passerait au sud. On va passer au sud. Non, de Dieu. On va passer au sud. Allez, on reprend. Et puis on va s'arrêter de toute façon un tout petit peu plus loin parce que pour ne pas non plus trop traîner. Allez, on y va. Je coupe. On va tourner juste après. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait l'hommage, parce que j'avais mon voisin Georges qui était dans cet accident avec Annette. Aujourd'hui Annette va, on va dire, on peut dire qu'elle va un peu mieux. Georges n'est plus là. Alors sachez que cette personne là pourquoi? Parce que ça nous a quand même affecté. C'est une personne, Georges, qu'on voyait souvent quand on était chez nous, qu'on était dehors au jardin. Il était souvent au fond de son jardin puisque notre maison est située par rapport à leur fond de jardin. Ils ont leur fond de jardin, puis à la hauteur de leur fond de jardin on a notre maison, notre terrain et la maison. Et du coup, on se voyait tous les week-ends, tout le temps. Et voilà. Voilà, en gros, on a passé une semaine assez compliquée. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait dommage. Alors, tous ceux qui m'ont posé la question, vous avez votre réponse. Je ne ferai pas dommage, non. Et vous savez pourquoi maintenant. J'espère que vous me comprendrez. C'est pas que je ne veux pas. C'est que c'est assez difficile pour nous. On a perdu quelqu'un qu'on aimait beaucoup et qu'on ne reverra plus dû à cet accident tragique que vous avez tous connu. Alors voilà pourquoi j'ai hésité à supprimer la vidéo 76. Il y avait déjà plus de, après l'accident, il y avait plus de 4-5 heures qu'elle était en ligne. Ça m'a embêté.
Mais bon, j'ai failli, mais bon, j'en ai parlé avec Miss. Bon, c'est peut-être parler tout ça pour rien, parce que ça ne changera malheureusement rien du tout. Mais bon, et voilà aussi pourquoi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait cet hommage. Voilà. Voilà en gros tout ce que je voulais vous dire, mettre les choses au clair par rapport à ça. Vous avez l'info. On va attaquer sur une semaine spéciale Star Wars Battlefront, je le rappelle, parce que ne me demandez pas si je ne mets pas l'épisode FS15 et ETS2. Ne me dites pas, L7C Fox, il n'y a pas d'épisode de FS15, il n'y a pas de la ferme des abonnés, il n'y a pas de L7C Fox sur les routes d'Europe. Je ne sais pas. Si j'ai le temps, je le mettrai. Sinon, ne vous inquiétez pas, ça reviendra la semaine d'après. Je vais quand même essayer, hein, vous me connaissez, je vais quand même essayer de mettre tout ça. Ça va être très difficile, mais je vais quand même essayer. C'est surtout ce qui est difficile, c'est le temps, quelque part. Mais il y a aussi, comment dire, il y a aussi le passage sur YouTube qui met tellement longtemps que ça va me faire quand même 6 vidéos à mettre. Alors que d'habitude, j'en ai que 2. Avec 2, je m'en sors tout juste. Alors, je vous imaginez même pas avec 6. Alors, ce qui aurait été bien avant de. Oula, on a eu le dodan, enfin, l'espèce de cassure. Ça aurait été bien que je puisse m'arrêter. Le problème, c'est que je peux pas m'arrêter. Ça m'embête un petit peu parce qu'on n'a pas de station. On n'a rien du tout. Je vais continuer, mais franchement, ça m'embête un petit peu. Ah si, on en a une un petit peu plus loin. Si, on en a une un petit peu plus loin. Eh bien, on va aller stopper à la prochaine station. Allez, hop, on y va. Alors, j'aurais fait pas mal de zigzags. Je me serais trompé de route, mais je n'aurais pas eu d'accrochage. Alors, je ne vais pas crier victoire parce qu'on n'est pas encore arrivé. Alors, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce petit mode Renault Master, qui est bien sympa, hein, qui est bien sympa. Le bruit intérieur est un petit peu spécial, hein. Si on fait, voilà, une vue extérieure, vous avez vu, il est quand même assez bien foutu. Voilà, on a la station qui est là et je vais tout simplement m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change un petit peu, mais je suis puni, les gars. Je suis puni parce que comme j'ai tout ébouillé chez la ETS, eh bien, on m'a dit, tu vas prendre beaucoup plus petit. Oups là. Quand il y a un dodan, je saute aussi sur ma chaise. Je vais prendre là, mais j'aurais dû prendre à côté, bien sûr. Ben non, on va se mettre tout simplement ici. Voilà. On va se mettre ici. Voilà. On va avancer un tout petit peu. Voilà. Allez, friend parking. On va couper le moteur. Voilà. Ouf. Ça fait un peu moins de bruit. Alors, regardez, vous l'avez en visu un petit peu mieux. On est arrêté tout simplement. Avant de se quitter, on regarde la carte. Voilà, on a refait le trajet. Alors, regardez, on a perdu gavé de temps, hein, parce qu'en fin de compte, on est parti tout simplement d'ici. On a bien suivi au sud, hein, mais au lieu de te prendre là à droite, j'ai pris à gauche. Non, du coup, au lieu de prendre à gauche, j'ai pris à droite. Et on s'est barré directement sur la route normalement que je devais prendre, puisque c'était, je crois, celle-ci. Celle-ci, clac, voilà. Je sais plus si c'était celle-ci, celle-ci. Enfin bon, rien d'important. On va rattraper notre petit trajet sur les petites routes du sud B de l'Europe. Alors, on peut faire aussi mieux. Vous allez voir. Comme ça, on va voir où on en est. J'aime bien prendre ça parce que comme ça, je sais où on est. Voilà, on a les pays. Donc, justement, on est en Hongrie. Et oui, j'ai même pas fait gaffe. On est parti du sud de la Pologne. On est passé en Slovaquie et on est carrément en Hongrie. On va arriver là, là, tout simplement, vous voyez. Je pense que c'est en Slovénie ou en Autriche, je ne sais pas trop. On est en Hongrie, j'ai même pas fait gaffe qu'on était en Hongrie. Et on a, voilà, vous voyez pourquoi j'utilise un petit peu cet aspect de cargaison et tout, de fenêtre de cargaison, comme ça je sais vraiment où on est. Voilà, allez, donc on va enlever le GPS, on enlève le petit rétro. N'oubliez pas, semaine Star Wars qui arrive après cet épisode 77 de L7C Fox sur les routes d'Europe. Nous, on s'arrête là avec notre Renault Master. Ah ben oui, il s'arrête là lui. Alors lui, il est tranquille le gars. Il s'arrête là, peinard. Voilà, j'ai pris 2 places, j'aurais dû peut-être reculer un petit peu. Ah, on a un hélico. Je sais pas si vous avez entendu, on aurait un hélico. Ah oui, regardez, on le voit passer là-bas. Regardez carrément à gauche. Regardez, ils viennent passer. Ah ouais, on avait un petit hélico. Donc il doit y avoir un aéroport pas loin.
Voilà, allez, on arrête là, j'arrête là parce que sinon je vais pas arrêter. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 77 de L7C Fox sur les routes d'Europe avec un Renault Master. On n'est pas dans un camion, c'est une première. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve bien sympa, bien équipé. Alors c'est bien sûr le camion, un camion Renault Master de la ETS. Il faut que j'amène un autre Renault Master, il faut que je livre un autre Renault Master. On a changé notre trajet, voilà. C'est bien, moi j'aime bien. Ça change un petit peu, c'est un petit peu plus sec en conduite. Vous avez vu, on s'est un petit peu déporté de temps en temps, mais pas d'accrochage. Allez, salut à tous, ciao, bonjour à tous, et on se retrouve pour l'épisode 78 avec notre Renault Master au sud de la Hongrie. Ciao à tous, bonjour.